Salut à tous, c'est Noxferan, on se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on a commencé notre aventure en se réveillant dans une maison étrange, complétant un ou deux puzzles assez simplistes, et on se retrouve du coup avec Nico et son ampoule entre les mains, qui est apparemment le soleil de ce nouveau monde dans lequel on se trouve en ce moment. Et notre but, ça va être d'accompagner Nico, de le guider, parce que nous sommes Noxferan, le panda, on est apparemment un dieu dans ce monde. Je sais pas comment ça marche, mais apparemment c'est comme ça. Et donc avec notre ampoule dans les mains de Nico, on va devoir le guider jusqu'à la tour qui se trouve au centre du monde, afin de la brancher là-bas et d'illuminer le monde et de le sauver par la même occasion. Donc vu que pour l'instant on est dans l'extérieur, vraiment la limite extérieure du monde, il va falloir qu'on explore un peu cet endroit un peu désolé, avec tout un tas de robots. Mais des robots qui n'ont pas l'air de fonctionner. Il y a énormément de robots qui n'ont pas d'énergie. Qui n'ont plus d'énergie. Ça, ça a l'air d'être une usine à robots d'ailleurs. Ouais, ils sont en bon état, mais apparemment ils ont juste pas d'énergie pour fonctionner. Donc, bon. Oh. Des morceaux de robots. Ouais, un bras de robot. Oh, une presse. Presse hydraulique peut-être. Ouais, elle fonctionne encore pour je ne sais quelle raison. Ouais, non, fais attention quand même Nico, hein, de pas te faire mal là-dessus. Enfin, on a une presse, je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut casser la bouteille? Ouais, non, c'est vrai que ça en mettrait partout et à quoi ça nous servirait d'avoir des morceaux de verre cassés? Je sais pas trop. Oui, juste une tête de robot. Tranquille, rien à voir. Bon, y a rien d'autre ici, on reviendra plus tard, on devra sans doute s'en servir de cette presse. Oh. Alors. On a tout un tas de fontaines illuminées, je me demande s'il y a des crevettes luminescentes là-dedans. C'est peut-être ça qui brille. Je crois pas que je puisse en récupérer. Peut-être avec la bouteille. Non. Non, je ne peux pas m'en servir. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une lettre. Et du gaz empoisonné dans certaines zones. Donc les travailleurs auront recommandé de porter des masques à gaz. Et au bout d'un moment, les travailleurs ont été remplacés par des robots, ce qui fait qu'ils n'avaient plus besoin de ces masques à gaz. Ils se retrouvaient avec un surplus de masques abandonnés. Donc ils en ont gardé quelques-uns en cas d'urgence, plutôt que de les jeter. Ça aurait été du gâchis. Ça, c'est quoi? Un coffre-fort? Ouais, non, j'ai pas vu de numéro... à 6 chiffres, non. Je crois pas que ça marchera. 000000 marchera pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Une tour. Rien là. Nope. On a une note ici, j'aimerais bien aller la chercher. Apparemment, je fais tout le tour. Y a quoi là-haut? Oh oh! Hein? Oh, d'accord. Donc ça doit être ça le gaz. Ok, on va éviter d'aller là-haut alors. Parce qu'on n'a pas encore... on va peut-être avoir un masque à gaz éventuellement, j'espère. J'imagine. Ok, on y est. Quelqu'un est parti avant que les ténèbres... supprime le monde, ok. C'est un petit peu déprimant comme lettre, mais peut-être une lettre d'adieu, qui sait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça revient au niveau du coffre-fort, d'accord. Et là, on a une autre lettre. Alors, date inconnue, avec les opérations minières qui fonctionnent bien. Les matériaux ne sont plus un problème. On va pouvoir fabriquer plus de robots résistants. Que ce soit en tant que corps ou en esprit.
L'allié métallique numéro 291. D'accord, donc ils ont trouvé de meilleurs matériaux de qualité qui permettront de faire des circuits imprimés plus performants, ce genre de choses. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des trèfles? Ouais, des trèfles à 3 feuilles, j'imagine. Des trèfles noirs. Ok. Un autre robot et toujours pas d'énergie, malheureusement. Bon. Une maison? Oh! Bonjour, toi. Oui, c'est moi, c'est Nico. Quelqu'un de plus grand. Eh, il a le droit d'être un chat. Bah ouais. Comment ça, non? Ouais, t'as des yeux de chat, je suis désolé. T'as aussi un chapeau avec des oreilles de chat. Ah. Ouais. D'accord, bon, apparemment pour lui c'est normal. Pourquoi? Apparemment c'est lui l'élu, hein. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux que j'abandonne le monde? C'est détérioré depuis longtemps. Et pourquoi? Ouais, on n'a pas vu grand chose, c'est... On a vu des robots sans énergie. Et on peut pas juste s'en aller, c'est vrai. Oui, il faut qu'on... On a une mission à accomplir. C'est ça. On est censé mettre le soleil là-haut. Tout au sommet. Ah, tu sais quoi, ça pourrait être possible, ouais. Nico est tout excité rien qu'à l'idée de rentrer chez lui. D'accord. Ouais, tiens, bonne question. Oh, bonne réponse. Ouais, qui est-ce qui l'a fabriqué? Ça c'est bizarre. C'est pas moi qui l'ai fabriqué et pourtant je suis idiot, hein. Quoique, je sais pas. Hein. Bon. Autre chose? Non, apparemment. Apparemment c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Silver. D'accord, il s'est passé quelque chose aux mines. Ça fait 2 semaines. Ce serait bien que tu rentres. C'est juste une question de temps avant que les robots soient rappelés. Bon, laisse-moi savoir si t'as eu mon message, ok? Keep. C'est toi, Silver? Je vais assumer que oui. Et une autre de ces trucs? Ouais, c'est quoi? Une batterie? Ah ouais, close enough. D'accord, donc ça... Tu as un robot et tu te recharges là-dessus. Ça fait longtemps que le générateur principal s'est éteint. Il a même pas tenu une semaine sans le soleil. Eh ben... D'accord, donc tu te sers de la lumière de ces crevettes pour te recharger, du coup. Ça rentre dans la machine et ça te permet de te recharger. Oh, il y en a d'autres qui... Oh, il y en a qui sont morts dedans. Ah, shit. Oh. Ouais, apparemment c'est une batterie. Silver... Ah, d'accord. C'est ta batterie, c'est pour ça qu'il y a ton nom dessus. J'assume que c'est ton nom, Silver, parce que t'as une lettre à côté. Et là, t'as la batterie, donc bon. Mais bon, qui sait?
Elle m'a jamais dit son nom elle-même, donc je pourrais pas savoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Un tournevis. D'accord. Ben, merci alors. T'en as plein? Bon, tant mieux. Ça va alors, j'ai un tournevis. Je sais pas trop à quoi il va me servir, mais... on sait jamais, un tournevis, ça peut être toujours utile. Plein de crevettes. Un évier. Une photo de deux personnes. Mais le verre est trop... trop pour qu'on puisse voir les détails correctement. D'accord. Oh, un échiquier. Couvert de poussière. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué avec, apparemment. Même pas avec les autres robots. Oh, est-ce qu'ils ont besoin d'être programmés pour jouer aux échecs? Tamed? Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Parce que... tame en anglais ça veut dire dresser. Mais dresser un robot, je sais pas si c'est quelque chose qui soit vraiment faisable. Je sais pas trop comment ça fonctionnerait en tout cas. Un lit. Fait de métal, ça doit être très confortable. Autre chose sur l'échiquier? Nope. Ok. Autre chose à me dire, Miss Silver? Non. D'accord. Ok, donc on a une autre tournevis là-dedans, c'est plutôt une bonne chose, ça devrait nous servir éventuellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, what? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah, c'est les mines! Elles ont été abandonnées il y a longtemps. C'est peut-être plus sûr. Ok, donc tu veux que m'accompagner dans les mines, juste pour être sûr. Ok, ça me va. Tant que tu essaies pas de faire des choses bizarres. Ça, c'est quoi? Un gadget. Je dirais une caméra. Ou ce qui reste d'une caméra en tout cas. Ah, c'est peut-être même un morceau de robot. Oh, c'est bizarre. Ou pas. Bon. Silver, t'es pas très sûr de toi. Ça, ça me permet d'avoir de la lumière. Ok, donc, on a une caméra. Avec une énorme lentille dedans. D'accord. Oh. Vous voyez un peu la tête qu'elle a, la caméra? Ça ressemble un peu à la tête du prophète, non? Genre le prophète qu'on a vu au début. J'espère que c'est pas un truc du genre. Sois prudent ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah oui, il y a une petite lumière jaune au bout. D'accord. Ouais, apparemment il y a un trou. Sans véhicule, on peut pas y aller. On peut pas marcher sur les rails par hasard? Toi, tu peux? Non. D'accord, c'est contre les règles pour moi. Bon, il y a quoi au bout? D'accord, donc c'est tout un tas de endroits de mines souterraines. Ok, donc c'est une énorme mine en fait. Qui a permis de passer l'âge industriel. Oh. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui travaille dedans, ouais. Tous les robots doivent plus avoir de batterie ni rien. Quand le soleil est parti. Ils ont été abandonnés, d'accord. Oh, au moins, ils n'ont pas été abandonnés dans la mine. Ça aurait été triste. Ah oui, il y en a un qui voulait toujours revenir. Et la lumière jaune a disparu. Ouais, d'accord. C'est tout? Ah, d'accord. Ok, Nico, n'insiste pas. C'est tout? D'accord, est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Nope. Là-dessus? Nope. Là-dessus? Nope. Est-ce que je peux utiliser la caméra avec ça? Nope. Ça et ça? Ah ouais, tiens, récupérer la lentille. Je sais pas à quoi ça me sert, mais apparemment... done. Oh, ça a supprimé mon tournevis s'est évaporé d'entre mes pattes. D'accord, donc j'ai une lentille maintenant. Ok, bon. Je sais pas pourquoi je combine des choses au hasard, mais... ouais, je crois qu'on a fait le tour dans la mine. Et nous revoilà à la maison. Ok. Donc on a
On a complètement exploré cette partie de la carte, je crois. Donc il n'y a plus qu'à revenir en arrière, retourner au niveau du prophète, j'imagine. Peut-être qu'avec la lentille que j'ai, je peux faire quelque chose. Je sais pas. On va descendre par là. Oh, quoique, attendez. On a un voyage rapide, autant s'en servir. Entrée, falaise, entrée. Hein ? Est-ce que c'est... Oui, c'est littéralement l'entrée du monde. Donc, je suis allé au sud. Je suis pas allé au nord, par contre. Un robot qui peut pas être réparé. Juste une tête de robot. Y a rien d'autre. Ah, transition. Ah. Une lumière verte à l'horizon. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va garder ça en tête. Oh, un robot. Oui, je suis là. Oui. C'est cool, je peux lui répondre de temps en temps. Un robot attaché au bateau. Mais il a pas d'énergie, comme d'habitude, comme tous les autres. Il est complètement rouillé aussi. Et tu crois qu'on peut le réparer? C'est vrai, la prochaine étape pour aller au centre du monde, c'est de traverser cet océan, apparemment. C'est si grand que ça. Mais bref, comme il dit, Nico, il a bien résumé, on aura besoin d'un bateau pour traverser l'océan afin d'atteindre la tour. Donc ça va être notre objectif ultime en soi. Oh. D'accord. Donc une barre de métal. Et apparemment, elle est très légère. Et là, on a un lit. T'es un peu fatigué? Non, on va attendre un peu, d'accord? T'en fais pas. On va noter qu'un lit se trouve ici, apparemment. C'est peut-être un point... Je sais pas trop, on verra bien. Barre de métal. Oh! Encore des gaz! Oh. Bon bah j'ai hâte d'avoir un masque à gaz, parce qu'apparemment je vais en avoir besoin. À moins que ce soit juste la limite du monde pour me dire hey, tu peux pas aller jusque là. Le monde continue par là, mais toi t'es pas autorisé à y aller. Désolé. Bon, bah ça fait que j'ai fait le tour alors. J'ai une barre de métal. Retournons à la presse hydraulique. Peut-être que je peux faire quelque chose avec. Maintenant que j'ai de nouveaux objets. Est-ce que... Oh, maintenant je peux revenir ici, d'accord. Entrée, outpost... On va... Non. On va y aller à patte. Donc c'est vraiment une terre désolée, avec des opérations minières un peu partout. Pour miner du phosphore, notamment. Salut. Non, pas de questions. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai de lentilles. Non, j'ai rien de... Est-ce que je peux utiliser la barre pour ouvrir la caisse? Ah, il passe pas à travers les... D'accord. Il va falloir... Oh, bah voilà. Il va falloir juste l'aplatir. Je sais exactement comment je vais aplatir cette barre de métal. Avec un peu de chance, ça devrait marcher. Mais je suis assez confiant là-dessus. C'est là? Oui. Hop là. Yes. Mais oui, fais attention quand même, Nico. T'approches pas trop. C'est juste... Ouf. Un morceau de la barre. Pas besoin de faire tout, hein. C'est bon? Hey, un pied de biche. Cool. C'est exactement ce qu'il me fallait. Hop, on va retourner là-bas. Oups, un petit peu trop loin. Là. Pied de biche. Allez, hop. Bravo Nico. Il y a un cube de métal et du verre cassé. Apparemment c'était un morceau d'une machine. C'est dit batterie solaire. Eh ben c'est parfait, on a la notice juste à côté. On a déjà lu d'ailleurs. Alors,
Batterie cassée. Apparemment, c'est une batterie, mais elle a du verre glacé dessus. D'accord. Elle est cassée. Est-ce qu'il me faut la lentille? Ah, bah voilà, parfait. Donc, on a une batterie vide. Une batterie rechargeable qui est vide. Est-ce que je peux m'utiliser ça? Ouais, c'est une batterie solaire. Ça devrait marcher, non? Mais de rien, c'est... ça va, t'en fais pas. Déjà, ouais, il suffisait de 10 secondes, quoi. Une batterie chargée, ok, parfait. Maximum power, ok. Donc c'est vide. Donc, est-ce que ça va rentrer dans la machine, là? C'est le seul truc auquel je peux penser, honnêtement. D'ailleurs, ça, non, peut-être là, sur le côté. Non. Oh, Prophet Bot. Oh, donc c'est le... la batterie de Prophet Bot. Ok. Cool. C'est sympa que les choses changent en fonction des personnes auxquelles on a parlé. Clic. Oui, j'espère que ça marche aussi. Clic. Oh. Wow. C'est bon? Aïe. Oh. Oh. Hein. Désolé, Nico. J'avais pas l'intention de te faire prendre un coup de jus. Hé, hey, regardez-moi ça, il y a du monde qui bouge. Et fonctionnel. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, ouais, c'est nous, on a fait ça. Toi. Reviens, s'il te plaît. Oui, tu es fonctionnel, tu peux marcher, bravo. Avant de voir l'ordinateur, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, juste au cas où? Nope. Non, blablabla. Ok. Ordinateur. Oh, tu me parles à moi directement? Comment ça, le progrès s'arrête ici? Tu me menaces, c'est ça? Besoin d'un code pour ouvrir... Oh, oui. J'ai besoin d'un code pour le coffre-fort. Mais le code n'existe pas dans ce monde. What? Oh. Oh. Est-ce que je suis sûr de savoir ce que ça veut dire? Oui. Oh. C'est tout? Faut que je cherche, mais chercher quoi? Et, je suis désolé, mais ça me fait pas beaucoup de... l'intérieur d'un document... Oh! Et trouver une place en dehors du jeu. Yes, ça je peux faire, oui. D'accord. Donc. D'accord. D'accord, c'est intéressant, ok. Vous savez quoi, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Et dans le prochain épisode, on fera cette petite énigme qui change la manière dont on verra le jeu. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut.